Alors ça, c'est un nouveau dessert. Et chaque année, en fait, on fait avec des grands couturiers. Et cette année, on avait vraiment voulu que ça soit Monsieur Roland. Pendant un an, son dessert va être à la carte au Café de la Paix. Et donc là, on est parti vraiment sur le dessert avec de la finesse, de l'élégance, comme Monsieur Roland a pu nous le communiquer et comme on a pu voir ses robes. Parce que généralement, avant de travailler avec un gros créateur, on essaye déjà de regarder ce qu'il réalise dans sa vie. Là, Monsieur Roland a vraiment joué le jeu, c'est qu'il est venu et il avait tout de suite une idée en tête et c'était celle-là, il savait où il allait tout de suite. En fait, mon idée, c'était de créer une sculpture en or, un galet, et vraiment de le recouvrir d'or pur et à l'intérieur d'avoir de l'or noir qui coule, voilà, et de créer le dessert le plus luxueux de Paris. Moi, tout ce qui peut être créatif, tout ce qui peut être une nouvelle aventure, m'emmener ailleurs, je suis toujours preneur. J'avais cette idée depuis longtemps en tête. Alors, faire un galet, en fait, la création est assez rapide, c'est le moulage. Le moulage, nous sommes obligés d'utiliser, ouais. En fait, de faire un premier moule en pierre. Et après, on adapte, en fait, on appelle ça des feuilles plastiques qui viennent s'adapter au moule pour pouvoir avoir cet effet galet. Là, on est vraiment parti sur un galet de pierre. On appelle ça, en fait, nous on utilise ça pour le spa, c'est des galets de pierre chaude et on en a sélectionné un. Et par rapport à ça, nous après, on a créé ce moule-là pour le réaliser en dessert comestible. On a eu l'idée en même temps d'une assiette noire avec Dominique et il se trouvait que le Grand Hôtel avait cette assiette noire. On a immédiatement fait l'essai, c'était parfait. C'est comme une galette de chocolatier. Sauf que là, on peut plus liquide, on va mettre plus de crème ou de lait suivant ce qu'on veut réaliser. Ça, c'est ce qui va vraiment donner le cœur du dessert de Monsieur Roland. Une recette de mousse chocolat à base de crème anglaise. On va la crème à bouillir, on va verser sur les jaunes et le sucre. On va verser la crème anglaise sur le chocolat, vous voyez. Ouais. Dans la ganache chocolat, on va incorporer la crème fouettée. Maintenant, en fait, on va faire le montage. Son dessert est vraiment spécial parce qu'on n'aurait jamais pensé à ça. Même moi, j'aurais jamais pensé à créer une pépite d'or comme ça. Donc, c'est là où on voit la touche du créateur. Ça doit être quelque chose d'horrible pour le tour de taille, ce truc-là. Non. C'est assassin, votre histoire. Ça accompagné d'un thé à l'orange, c'est le raffinement absolu.